Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Old American Roads. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode d'American Trip. Là, je suis en plein Montréal. Il y a un petit vendeur, enfin petit, je sais pas trop, vendeur de voitures de collection. Alors je me suis dit, tiens, si j'allais passer voir ce qu'il y a dans le showroom. Je vais vous montrer tout ça. Et voilà. Donc c'est John Scotty Classic Cars. Apparemment, c'est assez connu ici. Regarde. Petite Chevrolet Sonic à ras du sol et une Volvo japonaise et des Hyundai qu'on n'a pas chez nous. Me voilà donc chez Scotty Classic Cars. J'avais aperçu quelques voitures derrière la vitrine, mais je n'étais clairement pas prêt pour ce que j'allais voir à l'intérieur du bâtiment. Je vous laisse en juger par vous-même. Regarde celle-là, c'est mon Cadillac V12. 1931, j'en ai jamais vu. Ouais. Je veux même pas savoir le prix. Là, on a une Oldsmobile 442, je crois de 1966. C'est une bijou, 67. Du bruit quand je marche. Là on a une Excalibur, ça devient très rare apparemment à importer en France. Là, il y a la petite Bentley, Cadillac Alante, la grosse Merco. Waouh. Austin Healey, Cadillac Alante encore. Et là, oh. Camaro SS 396 de 1969. Bon. Intérieur luxe. Bon, y a boîte mécanique. Le verre est magnifique. Enfin. Cadillac, je crois que c'est une coupée de ville. Très belle aussi. Encore une Cadillac derrière. Et encore une. Et là, c'est pas magnifique ça. Plymouth Cuda. Avec le shaker et son petit 440 qui sort. Celle-là est plus récente, mais elle doit envoyer sa mère. Attention, waouh. Là, on a une Transam. Magnifique. Bon. De fou, des GT, plein de GT partout. Bel Air de 57. Ouais, la Ford à côté, mais elle est énorme. Ah, c'est parce que c'est pas une Ford, c'est une Lincoln. C'est une Ford 34 en fait, mais en plus gros. Chrysler, regardez cette gueule. Waouh. Il y a des voitures que j'ai jamais vues dans ma vie encore. Un petit F-150 Harley Davidson avec encore son sticker sur la vitre. Il a l'air neuf, hein, genre. Attends, ça va combien de bornes, un truc comme ça. Il est de l'an 2000. Il a encore les étiquettes de quand il était neuf. C'est fou. Il est neuf. À côté, un Bronco. Ça devient super rare et super recherché. 1969, il a encore sa plaque d'époque. Waouh. Oh, la Mercedes. Et ça, putain, la Ford 32. Waouh. Et un Deluxe. Des Cobra 427. De l'AMG. Pas une AMG, une MG. Une M4 GTS. Ça, c'est récent, mais ça vaut le coup de voir. Putain, c'est garé proche. Hein. Regardez ces roues. Truc de fou. Truc de fou. Là on a un petit pick-up Ford très sympa, un F1 peut-être de 55. Il est pas mal customisé, je pense qu'il y a beaucoup de boulot au niveau du châssis, parce que avoir les roues
Les moyeux Woolwood à l'avant. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose d'origine. Et on a encore une Cadillac V16 de 1931. La folie. Wow. Oldsmobile 442 encore. Incroyable. La couleur est magnifique. Et alors là, ça c'était le showroom, mais encore il n'est pas complet parce qu'ils sont en train de déménager dans un autre entrepôt. Mais là il n'y a pas tout en fait. Il m'a dit qu'il faut que j'aille au fond, derrière là-bas, et qu'il y a d'autres bagnoles. Ah ouais, ils sont carrément sur les ponts. Oi 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 oi. Oi 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 oi. C'est la folie. C'est la folie. Je vois une Camaro 69 derrière. Des Camaro en haut, ils les stockent en fait. Ah mais c'est des copeaux. C'est des... En fait, je pense qu'ils ont... Quand ils sont sortis, les copeaux, c'était des séries limitées. Donc ils en ont acheté plein, ils les ont stockés. Regardez, elles sont toutes là. Déjà, quand trouver une seule, c'est dur. Là, il y en a plein. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Des Corvette C2 à l'appel, tu choisis ta couleur. Oh, en gris, elle est belle en gris quand même. Waouh, 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 waouh. Très très rare ce jaune. Tiens, ça on dirait que c'est le Butternut Yellow, la couleur d'origine de ma Camaro. Oh, regarde, je vois une Chevelle à 70, un cabriolet. Waouh, waouh, waouh. Une SS454, si c'en est une vraie. Et à côté, oh putain, une 68. Et à côté, une Camaro des années 80 en Pro Street. Attention. Oh, les boudins qu'il y a. Des C4, superbe. Une ZR1. Celle-là aussi, ZR1. C'est complètement dingue, j'ai jamais vu un entrepôt avec autant de bagnoles anciennes. Corvette C4 Indianapolis, 1995. À chaque fois, t'en as pas qu'une seule en plus, t'en as plusieurs. Regarde, elle a encore l'étiquette, celle-là aussi. À l'époque, ça valait 49 000 dollars. S'il faut maintenant, ça les vaut toujours, voire plus. La Lincoln Continental coupée. Sympa. Oh, une petite Ferrari à côté. Tiens, regarde, petit détail que je disais. C'est une copo. C'est marqué. Encore des Indianapolis, version C5 Pace Car. C6, C3. Oh, les Camaro Pace Car de 1969. Et là, encore une fois, t'en as pas une, t'en as deux. Mais c'est dingue. Oh! Une 68 RSSS 396. Oh, là, 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 là. Une 69 RSSS. Une Nova SS aussi. Je sais pas si c'est une vraie SS par contre. Boîte manuelle. Oh, la Chevelle 70. Oh, mais encore une autre. C'est la folie. Il y a des clés. Qui c'est qui la démarre? Chevelle SS 454 de 1970 avec une boîte 5 vitesses. C'est pas d'origine. Une boîte 5 vitesses manuelle. Aïe aïe aïe, ça c'est incroyable. Par contre, elle a encore ses roues en 14 pouces. Tiens. Une AMC AMX, ça c'est très rare. C'est beaucoup plus rare que les Camaro, les Mustangs, les Chevelles et tout. Tiens d'ailleurs, je suis en train de penser à un truc. Depuis le début, j'ai pas vu une seule Mustang. Ah si, elles sont là-bas. Il y en a quelques-unes. Pareil, les stocks. Eh,
par une Chevelle, une 71. Pontiac GTO de 1969. Oh, in the judge. Une boîte mécanique. Et il y en a encore une autre derrière d'une autre couleur. Si jamais tu la veux pas en blanc, mais tu la prends en bleu. Petite station wagon Chevy 57. Chevrolet Impala 409. Waouh! La 409. Une petite Viper. Oh, des prowlers. Une, deux, trois prowlers. Ah, bah tiens, encore un double. Une Viper. T'en voulais deux, c'est dommage. Ah, bah c'est bon, il y en a deux. On dirait qu'ils ont toujours une autre au cas où. Une Pala 64, 63, ça c'est 66, je crois. Tiens, là, il y a de la Mercedes. Ouais, mais elles sont un peu plus bestiales que celles qu'on a en France. S600, très rare ça. Un coupé S600 avec un V12. Oh, une Nissan Figaro. Ça, c'est très rare. Ça date de 1991. C'est la seule année où il y en a eu, en fait. C'est choupinou. Cadillac Seville Eldorado de 57, je crois. Lincoln première, ça aussi hyper rare. Je vous en avais montré une fois à l'avant. Challenger RT. Oh, regarde. Une Mustang Shelby GT500 cabriolet. Alors, je sais pas si c'est une vraie, mais si c'est une vraie, ça vaut très très cher. Une petite Ferrari BB512i, elle est belle comme tout, avec sa roue de secours. Et là, oh, des Challenger, Dodge Dart GTS, encore une Plymouth et Mikuda, la bataille Challenger récente de compète aussi, pareil, e-stock, Plymouth Belvedere, oh, et regarde celle-là, Vichon Grouné. Et encore une Roadrunner, magnifique. Hop, j'essaye de l'incruster sans rien toucher. Cuda AR. Encore une Challenger. Plymouth Satellite. Là-bas, qu'est-ce que je vois? C'est une Plymouth Barracuda. Encore une Barracuda quasiment identique. Une Dart GTS. C'est rare de trouver une Dart GTS. Oh là là. En gros, tu sais pas où donner de la tête. Il y en a partout. Tu peux pas t'attarder sur une bagnole tellement il y en a en fait. C'est dingue. Ah ben là, ça va être la galère à sortir. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une Plymouth aussi. Tiens, encore un arrière de Shelby. Dodge Polara en coupé avec un 426,5. Ça, c'est une Mustang, peut-être une Boss. Qu'est-ce que je vois là-bas? Une Thunderbird. Oh, regardez, quelle est belle. Alors, ça, il n'y a pas à dire. À l'époque, ils faisaient des emblèmes incroyables sur les voitures. Regardez ce monogramme de capot. C'est un avion, c'est même une fusée, je dirais. C'est superbe. Cadillac, une Fleetwood. Regardez la longueur. Wow. Incroyable. Sunbeam Tiger. Là, on a une Pontiac. Je dirais que c'est une parisienne, ça. Une Bonneville, je dirais même. Parce qu'on a la même ici. Waouh. Chrysler New Yorker, Ford Galaxy. Alors celle-là, pour ceux qui ne savent pas, c'est un coupé cabriolet. En fait, tu as le coffre qui s'ouvre et le toit qui se rabat à l'intérieur, comme une 206cc. Là, je vais plus passer, je crois. Waouh.
je vais aller là-bas. Et regardez cette Mustang. Alors ça, c'est une vraiment qui est fait pour faire les courses sur le drag strip. T'as l'arceau et tout. 5 litres de Cobra Jet. Regarde, 50e anniversaire de Cobra Jet. Incroyable. Ford Galaxy 500. Chrysler, Pontiac, Oldsmobile, Ford, ça c'est la Galaxy. Alors là, ça, je trouve, pour moi, c'est le plus beau monogramme de capot, celui de chez Pontiac, avec la tête du chef indien dedans, en couleur ambrée, qui est incrustée dans un avion. Là, on a une Buick Roadmaster. Alors, je vous l'avais déjà dit, pour différencier la Roadmaster de la spéciale, en fait, vous comptez le nombre de ventes, 26 portes, ils appellent ça exactement, qu'il y a sur le côté. Si c'est 3, c'est une spéciale. Si c'est 4, c'est une Roadmaster. Encore une Chevy 57. Là, on a de la Lincoln. Mercury. De la Buick. Oh, une Studebaker, très très belle, très rare. Oh, et regardez ça, une Auburn. Super chargée. Une Auburn. J'ai jamais vu d'Auburn de ma vie. Et j'en ai jamais vu comme ça en photo, je crois. Waouh. Ça, c'est le genre de bagnole que tu as sur les concours d'élégance. Je veux même pas savoir le prix. Elle appartenait à Albert, peut-être, Al Capone. Chevrolet Special Deluxe. Encore une Studebaker. Mercury. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? Une Plymouth. Une petite Plymouth du début des années 30. Elle est toute mini. Waouh. Et ça, qu'est-ce que c'est, ça? Alors ça, j'en avais vu une à Pomona, mais celle-là est d'origine, j'en ai jamais vu d'autres d'origine. À Pomona, elle était customisée. Faut que je vous retrouve la photo et que je l'incruste dans la vidéo. Là, juste là. Et j'ai oublié ce que c'est comme marque. C'est... Ah si, ça y est, j'ai trouvé. C'est une Upmobile. Upmobile. C'est très, 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 très rare. Une petite De Tomaso là-bas. Oh, encore une De Tomaso. Et de la Mustang. Voilà. C'est incroyable. Et pour finir, je vais vous montrer un petit Ford 32 Roadster. Bien musclé, pas mal du tout. J'aime bien la petite touche pinstriping sur les louvers. Une finition incroyable. Pas mal avec les pneus liserés rouges. Je ne dis pas que c'est un scooter Harley-Davidson, ça n'existe pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Topper. C'est dingue. Des Ford. Cadillac, là, une belle Cadillac. Elles étaient énormes à l'époque, les voitures. Voilà les amis, j'espère que cette visite vous aura plu. En tout cas, moi je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'il y avait juste un petit showroom devant rempli de voitures de collection. Mais ça là, je m'y attendais pas. J'ai pas voulu les compter. Essayez de compter combien il y a de voitures dans cette vidéo pour voir. Allez, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode d'American Trip. Moi je repars sur la route. Pensez à partager avec vos amis passionnés. Et pensez à laisser un gros pouce et à vous abonner si c'est pas fait. Ciao les amis, à plus.